trouvez déjà ça difficile à croire? Eh bien pourtant, vous n'avez encore rien vu. Attendez que je vous raconte la suite. Alors que j'étais restée tétanisée, au sol, face à ce cracheur de feu qui prit son envol devant moi, et face à ce portail qui soudainement apparut, les gardiens, sans doute, de ce lieu magique, un autre dragon et un hippogriffe, eux, beaucoup plus diplomates, me firent signe doucement de m'avancer. En m'approchant, méfiante, je compris très vite qu'ils voulaient en réalité me confier quelque chose. Ils me confièrent une clé, intrigante, assez vieille, une clé semblable à celle que l'on a chez nous, mais plutôt lourde, une clé avec une chaîne. Et puis, je ne sais pas, quelque chose me fait curieusement frissonner en la voyant. Alors que j'essayais de comprendre, en vain, ce qui était en train de se passer, le portail se mit à s'activer bruyamment. Les deux créatures se jetèrent un regard, sans plus me prêter attention. Puis elles s'envolèrent en faisant battre leurs ailes gigantesques. De mon côté, le portail faisait de plus en plus de bruit et la lumière bleue m'aveuglait complètement. Tout à coup, j'ai repensé à tous ces épisodes de Stargate que j'avais l'habitude de voir plus jeune. Et je me suis précipitée derrière un arbre, comme si je voulais éviter déjà faim. Je vous avoue qu'après deux dragons et un hippogriffe, je m'attendais absolument à tout. En entendant des pas, mon cœur se mit à battre à 1000 à l'heure. Mais ces pas, c'étaient les vôtres. Je fus tellement soulagée et ravie. Il s'agissait du premier groupe d'aventuriers qui franchissait le portail pour participer à la quête. Pour les retardataires, pas de panique. Il vous suffit de vous référer à cette vidéo et de suivre les directives si vous voulez vous aussi participer à la quête. En revanche, dépêchez-vous parce que je ne pourrai pas rester trop longtemps près du portail. En attendant que tout le monde passe, chacun d'entre nous était en train d'essayer de comprendre ce qu'il venait de se passer et d'explorer les premiers alentours. Et c'est là que l'une d'entre vous, Lady Forestia, m'appela. En effet, sous les feuilles, près d'un arbre, semblait être caché quelque chose. C'était un cahier et une plume. En l'ouvrant, je compris très vite qu'il s'agissait d'un livre en allemand. Et aussitôt, je découvris la première page avec comme titre « Conte de l'enfance et du foyer ». Juste à côté, au crayon, il y avait une inscription. « Albert, Ludwig Grimm. » Je ne connaissais pas ce nom. Pour moi, les auteurs de cet ouvrage, c'était Wilhelm et Jacob Grimm, les frères Grimm comme on les connaît. Mais Albert, j'avais pas souvenir qu'il avait fait partie de leur famille. En parcourant les pages, je remarquais beaucoup de rayures et d'annotations. Un petit peu comme une mauvaise copie sur laquelle se serait acharné un professeur en manque de café. Une feuille à part s'envola alors. On ne doit absolument pas considérer ce recueil-là, le recueil des Grimm, comme un livre qui puisse être mis entre les mains d'enfants, même si tout ce qui a été mentionné s'avérait faux et inoffensif. Je l'ai toujours vu avec le plus grand désarroi dans les mains des enfants, et pères et éducateurs trouveront ici, comme à beaucoup d'endroits encore, suffisamment de raisons de ne pas lui attribuer le titre d'un écrit pour enfants, ce qui ne doit pas du tout être le cas de messieurs les éditeurs. En 1809, Albert Ludwig Grimm, pédagogue de métier qui ne possédait aucun lien de parenté avec les deux frères, mais partageait malgré tout le même patronyme, publia un recueil de contes qui eut un franc succès. Malheureusement pour lui, 1812 marqua le début d'un gros conflit avec les frères Jacob et Wilhelm suite à la publication de leur premier tome, Les Contes de l'enfance et du foyer, Kinder und Hausmärchen. Alors pourquoi un tel conflit? D'abord, petite mise en contexte. Dans son article « Contes pour enfants ou livres d'éducation » paru dans la revue Féerie, Joël Légeret explique qu'à l'époque, la scène littéraire était complètement saturée par la production de recueils de contes. À ce moment, en effet, en plus de la tradition orale non signée, il faut savoir que les contes français formalisés par Perrault étaient à ce moment passés dans le patrimoine commun des contes, porte d'entrée idéale pour de nombreux écrivains souhaitant les adapter sans problème. D'innombrables variations, avec des réécritures et des traductions multiples, ont alors vu le jour. Pour beaucoup d'auteurs comme nos Grimm, ce fut alors un gros problème, car il leur fallait à chacun s'imposer sur une scène déjà encombrée, et eux en plus partageaient le même nom, ce qui n'aidait en rien. Ainsi, le différent qui a impliqué nos trois Grimm, c'était la publication très peu espacée de deux recueils au contenu plutôt similaire, mais partageant une vision complètement opposée. Alors vous allez probablement penser que tout ça n'est qu'une affaire au fond d'emprunt et de réécriture plus ou moins bonne des mêmes contes.
Eh bien, selon Ute Reinmann, ce processus de réécriture rejoint le concept de dialogisme intertextuel. Pour résumer, il faut imaginer que cette grande intertextualité fait en réalité partie d'un processus qui se base non pas sur l'influence, non pas sur l'emprunt, non pas sur le plagiat ou tout autre terme négatif qui sous-entendrait un manque de potentiel, mais bien au contraire sur un immense dialogue entre les différents auteurs qui se répondent et interagissent sur le mode de la complicité ou bien au contraire de la contre-proposition, pour reprendre ces mots exacts. Et si Albert Ludwig Grimm, lui, assumait agir en ce sens, les frères Grimm, eux au contraire, ont préféré établir des stratégies leur permettant de totalement nier la ressemblance avec d'autres textes et de s'approprier le monopole sur les contes en assurant n'avoir rien emprunté à personne pour se démarquer. Cette stratégie des deux frères consistant à dissimuler et brouiller toute piste qui aurait pu contredire leur pure authenticité s'avéra payante. Et s'ensuivit alors une bataille qui eut lieu dans les différentes notes et préfaces des ouvrages des trois Grimm. Les deux ouvrages en compétition dans un contexte de forte concurrence littéraire ont donc été les symboles d'une lutte acharnée pour la reconnaissance d'un même nom porté par des individus différents. Mais pas seulement. Comme le dit Joël Légeret, ce fut également le symbole d'une opposition sur la conception de la littérature de jeunesse et sur les rapports à la morale. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui en a réellement pâti, et c'est notre pauvre Albert Ludwig Grimm. Car si les contes étaient traduits dans plus de 160 langues et définis par l'UNESCO comme le livre le plus connu et le plus largement répandu dans le monde après la Bible parmi tous ceux qui jalonnent l'histoire culturelle de l'Allemagne, celui d'Albert Ludwig Grimm, lui, est plus ou moins tombé dans l'oubli. Le livre soigneusement rangé dans nos affaires et le portail de nouveau figé, nous avons continué notre exploration et sommes tombés sur un sentier assez large. À en croire les nombreuses traces de roues, il devait être fréquemment emprunté. Et en effet, après quelques minutes seulement, une calèche s'arrêta à notre hauteur et deux hommes en descendirent. Comme vous pouvez vous en douter, ces deux hommes étaient Jacob et Wilhelm Grimm. Et ce fut pour nous la parfaite occasion de récolter leur version de leur histoire. Lassés du voyage, les deux frères s'assirent tous deux près d'un arbre et c'est Jacob qui commença le premier à nous parler de leur enfance. Téléportons-nous dans l'Allemagne des Grimm un moment. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, dans l'état de la Hesse-Cassel. Les Grimm font partie d'une famille de 9 enfants, dont 3 mourront malheureusement en bas âge. Parmi les 6 qui survivront, une fille et 5 garçons. Jacob nous raconta ainsi qu'il était l'aîné et que Wilhelm était d'un an plus jeune. Il faut savoir que la notion de famille est primordiale chez les Grimm. Très tôt orphelin de père, c'est Jacob qui endossera ce rôle, et les deux frères ne se quitteront pratiquement jamais, Wilhelm ne se mariant qu'à la condition que Jacob puisse vivre avec sa femme et lui. Tous deux étudièrent le droit, et très vite, au gré de rencontres avec des auteurs pour qui ils travailleront le plus souvent, ils consacrèrent leur vie entière à la littérature, la philologie, la collecte des contes et de légendes. Ayant des notions de grec, de latin, d'italien, d'espagnol, de français, de danois, de suédois et plus tard même de serbe, ils furent spécialistes des littératures médiévales et notamment des sagas nordiques. Et c'est Wilhelm qui nous raconta la suite. Mais nous voyant un peu perdus, ayant surtout à cœur de nous raconter chaque parcelle de leur histoire, il insista pour nous en dire plus sur le contexte du pays à l'époque, afin que nous puissions mieux les comprendre, eux, leurs œuvres, mais également la ligne de conduite qui les guidait à travers vie, choix et passion. Il nous expliqua alors qu'à ce moment, l'Allemagne était morcelée et souffrait de l'occupation française lors des guerres napoléoniennes. Le pays traversait une véritable crise identitaire et ce sont les philosophes et auteurs romantiques qui vont dès lors partir à la quête de leurs racines, à la recherche de contes et de ballades locales. Suivant cette démarche nationaliste, les deux frères tentaient alors de redonner une identité à leur patrie et Jacob expliqua même avoir suivi une carrière diplomatique jusqu'en 1815 avant d'être impliqué ainsi que Wilhelm dans le célèbre mouvement des Sept de Göttingen. Les Grimm nous firent bien comprendre que tout ce dur labeur était bien représentatif d'un travail scientifique plutôt que d'une simple collection de récits à lire aux enfants. Soulignèrent par ailleurs que si les contes possèdent une dimension universelle, les légendes, elles, possèdent une dimension nationale et une culture régionale soutenue par un ancrage historique et local. Stella Mirabella, l'une des aventurières qui a franchi le portail avec nous, se risqua alors de demander aux frères Grimm sur quoi ils s'étaient basés pour écrire leurs contes.
il y eut un moment de flottement. En effet, après avoir appris l'existence de Albert Ludwig Grimm et surtout d'avoir découvert son livre, nous étions tous impatients de connaître leur réponse à cette question. Jacob nous confia alors qu'ils avaient à l'époque fait la connaissance de trois jeunes filles huguenotes, du nom de Marie, Jeannette et Amalie Hassenplug. Celles-ci leur contaient régulièrement des histoires et eux s'empressaient alors de les collecter. Wilhelm, pendant notre échange, critiqua vivement la manière de conter des jeunes filles et la qualifia même de caricaturale et nasillarde. Il expliqua que pour corriger cette façon de raconter des histoires, qui selon lui ne pouvaient rien donner de beau, ils avaient dû, avec son frère, retravailler chacune des paroles avec attention. Cependant, il insista aussi sur le fait que pour conserver le plus fidèlement possible cette oralité populaire, ils avaient malgré tout reproduit certaines petites lourdeurs. Grâce à ces informations, nous avons donc compris que l'une des sources principales des histoires reprises par les Grimm était indirectement française. Je vous explique. Après la révocation de l'édit de Nantes, beaucoup des huguenots français sont venus s'installer en terre allemande. Par conséquent, ils connaissaient les traditions, les contes, et après trois générations, toute la société allemande cultivée parlait le français et avait lu les contes de fées français, comme par exemple les contes de Mamerlois, le cabinet des fées, ceux de Perrault, etc. Wilhelm prit soudainement un air un peu plus grave et nous évoqua la période pendant laquelle la classe bourgeoise était en pleine émergence. La famille, alors composée des enfants et des parents, commença à remettre en question la place de chacun et les femmes se passèrent peu à peu des gouvernantes pour s'occuper elles-mêmes de l'éducation de leurs enfants. Très vite, les Grimm ont donc réagi en supprimant de leur recueil certains contes jugés bien trop violents, comme par exemple « Comment les enfants ont joué au boucher ». Je ne m'attarderai pas sur cette violence que je compte développer lors d'une prochaine vidéo, mais passerai plutôt directement aux conséquences d'une telle cruauté ressortant de ces contes. Après 45 en effet, il sera reproché à l'œuvre des Grimm d'être en partie responsable des cruautés liées au nazisme. On met en avant la dimension fortement antisémite de certains contes, et toute publication devient interdite. Ce qui est dommage, c'est que même après cette censure, qui en soi reprenait beaucoup des revendications faites des années auparavant par Albert Ludwig Grimm, ce dernier n'a jamais été mis au devant de la scène, sans doute à cause de ce nom partagé. Toujours est-il que des années plus tard, popularisées en majeure partie grâce à Walt Disney, des versions et reprises de toutes sortes des contes de Jacob et Wilhelm Grimm sont trouvables en librairie, en Allemagne, en France et partout dans le monde. Les frères Grimm ont réussi, grâce à leur travail colossal, leur passion et leur savoir, à offrir au monde une profonde redécouverte d'une grande partie de la culture germanique et de son patrimoine. Une réussite par ailleurs assurée d'être préservée et diffusée par l'UNESCO, puisque leur œuvre a depuis été déclarée au patrimoine culturel mondial. Les deux frères nous quittèrent donc pour reprendre la route, mais avant, ils prirent le temps de nous avertir des dangers de la forêt et des créatures qui s'y cachent. Puis, ils nous menèrent vers une clairière un peu plus tranquille. Pour ceux qui le souhaiteraient, il existe toujours un moyen de les suivre, et je vous conseille pour cela de prendre la route allemande des contes. Sur 600 km, vous pourrez alors partir à leur trace et espérer vous aussi ressentir cette atmosphère enchantée au détour de villes médiévales et autres forteresses. Mais prenez garde, car vous pourriez trébucher sur une chevelure blonde ou encore des cailloux sur le chemin. Nous allions commencer à réfléchir à un endroit sec où nous poser, quand un bruit suspect près des buissons nous fit nous arrêter. Mais qu'est-ce que c'était ?